Action Permis, où on va vous présenter aujourd'hui le constat amiable, comment remplir un constat pour ne pas faire trop d'erreurs lors d'un accrochage. Dans un premier temps, gardez votre calme et votre sang-froid. Dans la mesure du possible, essayez de prendre une photo alors que les véhicules sont encore en position. Alors, première chose à faire quand vous avez donc cet accrochage pour remplir votre constat, première chose à faire, la date de l'accident, l'heure, très important, la localisation la plus précise possible. Alors, pour ce qui est des blessés, même légers, si toutefois vous avez eu un choc relativement violent, n'hésitez pas à marquer oui, pour que votre assureur puisse prendre en compte éventuellement vos certificats médicaux. Dégâts matériels, alors autre qu'aux véhicules A et B, ça c'est si vous avez touché un lampadaire ou des véhicules en stationnement. Objets autres que les véhicules, encore une fois, ça peut être, on va prendre une poubelle par exemple, une poubelle que vous avez explosée, donc vous marquerez que, enfin, vous mettrez sur le constat que vous avez explosé une poubelle. Les témoins, alors les témoins, si possible, si vous avez besoin de recueillir quelques témoignages, prenez l'identité des témoins, leur téléphone, de manière à ce que justement ils puissent témoigner auprès de votre assurance de la façon dont s'est passé l'accrochage. Alors, le véhicule A ou le véhicule B a très peu d'importance. On va dire que vous êtes le véhicule A, donc votre nom, votre prénom, votre adresse, bien entendu, votre code postal, pays, France si vous êtes en France. Alors, une petite parenthèse, puisqu'on en est au pays France, etc. Si toutefois vous avez un accrochage en Allemagne, en Suède ou en Finlande, vous ne parlez pas du tout la langue, vous avez un constat français dans la voiture. Donc, vous rapprochez les deux constats, le constat espagnol ou allemand, ou peu importe, et vous aurez la correspondance donc, sur le constat étranger. La correspondance qui va correspondre ici exactement à la même chose sur les constats européens. Le type de véhicule. Donc le type de véhicule, vous marquez Peugeot, Renault, enfin votre véhicule, votre numéro d'immatriculation, le pays c'est la France, numéro d'immatriculation si vous avez une remorque, cette remorque n'a pas la même immatriculation que le véhicule tracteur. Alors société d'assurance, le nom de votre assurance, il ne faut pas faire de publicité pour les assurances. Votre numéro de contrat qui est inscrit sur votre carte verte. Numéro de carte verte, vous n'en avez pas besoin, il correspond exactement au numéro du contrat. L'attestation d'assurance valable due au, notez-le. L'agence, si vous passez par une agence ou un courtier, notez le nom et l'adresse de votre courtier. Son téléphone, le mail. Alors ensuite, les dégâts de votre matériel du véhicule sont-ils assurés par le contrat? Si vous n'en savez rien, mettez oui. Votre assurance regardera votre contrat et ensuite pourra éventuellement vous dire non, vous n'étiez pas assuré pour ce type d'accrochage. Le conducteur, donc vous êtes conducteur du véhicule, votre date de naissance, votre prénom, etc. Votre téléphone, votre numéro de permis de conduire qui se trouve sur les anciens permis sous votre photo et sur les nouveaux permis à l'arrière côté gauche, au recto du permis. Le permis de conduire, la catégorie de permis que vous avez obtenu, donc pour une voiture c'est la catégorie B, pour les motos ça sera le A, pour les camions le C, etc. Valable, permis valable jusqu'au, vous n'êtes pas concerné, c'est surtout pour les permis poids lourds qu'on a besoin de cette date de validité. Ensuite, toujours dans votre partie, indiquez le point d'impact. Si vous avez un point d'impact ici et ici, notez bien les points d'impact. Ensuite, dégâts apparents du véhicule A. Donc vous avez votre véhicule qui est endommagé. Vous n'êtes ni expert automobile ni carrossier. Donc si le côté ici droit est abîmé, mettez côté droit. Capot avant, par exemple, plus côté droit. Ne rentrez pas dans les détails. J'ai une rayure à l'arrière gauche. Mettez le côté droit. Donc dégâts apparents du véhicule, côté droit, capot. Mes observations. Alors, les observations, l'ennui. C'est que, suivant ce que vous allez noter, l'autre conducteur ne sera peut-être pas d'accord avec ce que vous avez marqué. Vous mettez, il s'est rabattu sur moi, sans m'avoir vu, etc. Là, vous risquez d'avoir des soucis, où l'autre conducteur va dire, mais c'est pas vrai, c'est vous qui êtes venu sur moi. Ouais, on verra plus tard, on le fera ou on le fera pas, c'est pas très très important. Le second conducteur, donc le véhicule B, va lui aussi renseigner toutes les cases.
Dans ce cas-là, soyez vigilant, vérifiez qu'il note bien le numéro d'attestation d'assurance, que ce soit bien son numéro de permis, essayez de rester un petit peu vigilant sur ce genre de choses, qu'il ne marque pas le numéro de son père ou de son grand-père, et le numéro de permis, etc. Que ce soit bien lui, qui ait noté, tout ce qu'il retrouve sur son permis. Ensuite, même chose, donc lui on va dire que lui par contre il a été touché par exemple de ce côté-là, donc vous avez bien été l'un contre l'autre. Donc ici vous allez faire un dessin, un croquis, en positionnant les véhicules. Alors si c'est un rond-point, vous dessinez le rond-point, lui va aussi mettre ses dégâts, et lui va peut-être mettre certaines observations. Donc suivant les observations qu'il va noter là, vous noterez vous aussi des observations. Si lui dit ce véhicule A est venu jeter sur moi, vous allez non, c'est plutôt le... Voilà, vous pourrez à ce moment-là argumenter. Ensuite, une fois ce constat rempli, vous avez des cases ici qui vous permettent de vous repérer. Donc qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Donc notez le nombre de croix que... On va mettre n'importe quoi, on va mettre voilà, une croix ici par exemple. Et lui, ben, il dit non, moi j'ai rien. Donc vous avez une croix ici, notez-le bien. On ne pourra plus le changer ensuite. Et lui, ici, zéro. Parce que lui, il considère que rien ne correspond à ce qu'il a pu faire. Là, vous avez donc une croix. Là, zéro. On est plus ou moins d'accord, ça n'a aucune espèce d'importance. Sachez que si vous n'êtes pas d'accord, les assurances prendront les points de choc et détermineront comment c'est produit l'accident avec les points de choc. Donc ne commencez pas à vous emballer en disant ben non, mais je ne suis pas d'accord, ceci, cela. Contentez-vous de l'identité des deux conducteurs, des points d'impact, témoins si vous pouvez, de votre petit croquis s'il est d'accord ou pas. À la suite de ça, vous allez signer le constat. À partir du moment où vous avez signé le constat, vous l'avez reconnu. Donc relisez bien, signez le constat, faites-le signer. Si toutefois le constat, vous refusez de signer pour X raisons, ou l'autre conducteur refuse de signer pour X raisons, aucune espèce d'importance. Ce qui va être très intéressant, ce sont les points de choc des véhicules. Et éventuellement, comme je vous disais au départ, une photo qui permettait de voir la position des véhicules avant que, bien sûr, vous ne les ayez bougés. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ensuite de ça, vous séparez ce constat, vérifiez si vous gardez le double, que le carbone a bien carboné justement votre deuxième constat. Et avant d'envoyer ce constat à l'assurance, vous avez derrière au recto tout un tas de possibilités, c'est-à-dire de raconter les circonstances de l'accident. Où là, vous pourrez dire, voilà, il s'est passé ça et ça et ça. Mais sachez que, au prime abord, c'est ce côté-là qui va intéresser votre assureur. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Petite chose pour terminer, si vous avez un constat dans votre voiture, pré-remplissez-le, toute votre partie, même sur la partie adverse, vous ne risquez pas, hein. Mais toute votre partie, remplissez-la, ce qui vous permettra de gagner du temps le jour où vous aurez un constat à faire, et qui vous évitera de trembler avec votre stylo quand vous allez remplir le constat, parce que suite à un accident, même ne serait-ce qu'un accrochage, vous êtes toujours un petit peu perturbé par ce genre de situation. Voilà, j'espère vous avoir été d'une aide satisfaisante pour la suite de votre conduite. À bientôt sur la chaîne Action Permis.